Merci beaucoup d'être venu et de nous soutenir dans cette manifestation. Nous allons nous intéresser à l'imaginaire, à la place de l'imaginaire de cette ville-monde, hein, pendant l'entre-deux-guerres, auprès des écrivains originaires de l'Europe balkanique. Merci beaucoup encore une fois d'être venu et d'avoir répondu de manière positive à cet appel que nous avons lancé. Et puis, j'aimerais commencer par remercier chaleureusement à Cécile Folzweiler, qui est maître de conférence à l'INALCO, où elle enseigne la langue, la culture, l'histoire roumaine, et qui va nous proposer la découverte des écrivains roumains qui se sont retrouvés à Paris dans l'entre-deux-guerres. Il s'agit de Ion Vinea et Mihai Sebastian. Et je lui donne la parole en la remerciant encore une fois vivement d'avoir voulu partager avec nous les témoignages de ses écrivains et aussi ses études sur eux. Merci beaucoup, Cécile. Et merci à toi, Nicolas. Merci pour cette belle initiative. Alors, je sais qu'on n'a pas énormément de temps et moi, j'aimerais pouvoir prendre le temps de vous lire quelques petits extraits. Donc, je vais rentrer directement dans le sujet en simplement faisant une petite remarque. J'espère que je vais bien traiter le sujet parce que il y a le terme imaginaire. Moi, j'avoue que je vais être plutôt dans la réalité. Je vais vous parler de ces deux expériences parisiennes qu'ont fait ces deux écrivains que j'ai choisis, qui sont donc Ion Vinea et Mihai Sebastian. Alors évidemment, tu n'es pas revenu sur le contexte, mais le Paris de l'entre-deux-guerres, des années 20-30, des années folles, est connu par cette vivacité de l'activité culturelle, mondaine, littéraire, artistique, dont on a reparlé avec les livres d'Hemingway, Paris est une fête, etc. Et c'est vrai que pour les écrivains roumains, ce rendez-vous de la culture mondiale est particulièrement important. Alors j'imagine qu'il en est de même, vous allez me dire, il en est de même pour les voisins aussi. Les Roumains cultivent depuis longtemps une fascination pour cette ville qui a été particulièrement entretenue, c'est vrai, par la proximité linguistique latine et culturelle latine de cette grande sœur latine qui était la France. Et puis par toute une série de convergences d'intérêts historiques qui sont maintenues notamment dans les deux derniers siècles et qui ont fabriqué cette communauté culturelle et intellectuelle et ce rapport de fascination. Il y a donc une assez longue histoire de la fascination parisienne chez les Roumains, donc souvent à sens unique, c'est un rapport assez déséquilibré par cette relation centre-périphérie, cette relation modèle-copie qui fait que la France et la grande sœur latine occidentale et Bucarest s'est définie notamment dans l'entre-deux-guerres comme le petit Paris, Micul Paris. Autant dire qu'il y a une pléthore de célébrités culturelles et littéraires roumaines pour qui le voyage à Paris, les études à Paris étaient un passage obligé de la carrière. Il y a, si la question vous intéresse, un petit ouvrage très pratique écrit par Jean-Yves Conrad qui s'appelle Roumanie capitale Paris et qui est rédigé sous forme un peu de quasiment de guide touristique qui vous propose des balades roumaines dans Paris sur la trace de toutes ces célébrités culturelles roumaines et qui vous balade dans tous les quartiers de Paris. Sur les traces des figures, alors des révolutionnaires 48ards, des étudiants de Jules Michelet au Collège de France, jusqu'aux intellectuels exilés de la période communiste, bien connus, Cioran, Eliade, Ionesco, en passant par cette aristocratie lettrée du début du XXe siècle, avec ses figures féminines et princières, notamment Marthe Bibesco, ou encore les jeunes représentants de l'avant-garde littéraire et artistique roumaine, dont Ion Vinea, justement, est un représentant. Alors, pour la période proposée, dans ces longues listes, notamment qu'a établi Jean-Yves Conrad dans son ouvrage, j'en ai choisi deux. J'ai choisi dans ces très longues listes de visiteurs roumains à Paris, y compris à cette période, deux qui précisément sont quasiment absents de l'ouvrage de Jean-Yves Conrad, très probablement parce que leur passage à Paris est moins documenté en français et parce qu'ils n'ont pas écrit ou quasiment pas écrit en français.
À l'inverse de beaucoup d'autres, d'un certain nombre de leurs compatriotes roumains qui maîtrisaient suffisamment le français pour tenter leur chance aussi sur la scène littéraire parisienne. Ion Vinea et Mireille Sébastien ne l'ont pas fait, c'est probablement donc pour ça qu'ils sont peut-être moins connus. Comme passagers parisiens, alors qu'ils sont très connus dans leur, sur la scène littéraire roumaine. Pourquoi ces deux-là ? Parce qu'ils m'ont aussi semblé complémentaires, en dehors du fait qu'ils étaient moins connus comme roumains de Paris, complémentaires par leur travail littéraire, puisque Ion Vinea est un poète représentant du mouvement de l'avant-garde littéraire, né en 1895 et mort en 1964, alors que Mireille Sébastien est un romancier, dramaturge, d'origine juive, enfin juif, et justement aujourd'hui peut-être avant tout célèbre pour son fameux journal publié longtemps après sa mort, en 1995 en Roumanie, et qui a eu un énorme retentissement dans ces années 90, parce que le journal de Mireille Sébastien a, si vous voulez, remis en question une certaine image idéalisée des intellectuels roumains de l'entre-deux-guerres. Et en particulier de Mircea Eliade et Émile Cioran, dont il dévoilait d'une manière extrêmement sincère, puisqu'il en était très proche par son amitié, l'engagement pour la cause idéologique légionnaire. Voilà, mais c'est pas ce côté-là de Sébastien qui nous intéresse aujourd'hui, encore que on le verra. Donc j'ai choisi ces deux auteurs qui en plus sont particulièrement, j'allais dire, balkaniques dans le paysage roumain, puisque un point commun biographique les rassemble. Ce sont deux hommes du bas Danube, puisque Vinea est né à Giurgiu, sur le Danube, à la frontière bulgare, et Sébastien est né à Braila, autre port du Danube. De ce point de vue-là, ils sont aussi très proches. En revanche, se sont-ils connus, côtoyés, évidemment, parce qu'ils étaient aussi tous les deux journalistes dans la presse littéraire bucarestoise. Ils se sont inévitablement côtoyés et croisés, évidemment, très certainement lus. Rencontrés à Paris, honnêtement, je n'en sais rien. Ça n'est pas impossible, mais je n'ai pas trouvé de rencontre explicite. Ils ne se sont pas forcément croisés au même moment. Quant à la question de savoir s'ils se sont appréciés du point de vue littéraire, appréciés comme des collègues, très certainement, ils faisaient partie d'orientations du point de vue littéraire assez différentes. Le premier, donc, par ses liens avec l'avant-garde poétique, fait partie, j'allais dire, un peu naturellement, du milieu typiquement attiré par la capitale des arts et des lettres et des innovations, qui était Paris. Mais finalement, ses liens avec Paris vont progressivement se distendre, parce qu'il choisit donc de s'inscrire à Bucarest. Alors que le second, qui, je vous l'avais dit, est beaucoup plus connu pour son implication dans les polémiques roumano-roumaines dues à sa judéité, avec un certain nombre de scandales littéraires, a finalement peut-être plus exploité le motif parisien dans son œuvre que son collègue poète. Alors, je ne vais pas faire des choses trop compliquées, je vais vous les présenter rapidement l'un après l'autre, peut-être en insistant plus sur le second. Alors, pour Ion Vinea, je les prends, j'allais dire, par ordre d'âge. Il était, j'allais dire, prédestiné à venir évidemment à Paris, comme beaucoup d'autres Roumains, du fait déjà de son milieu culturel et familial. Ses parents descendent tous deux de grandes familles, d'ailleurs, de Grecs. En tout cas, il a des origines grecques partiellement et de grandes familles aristocratiques et donc très cultivées. Ses parents avaient eux-mêmes déjà tous deux fait des études à Paris, et la francophonie et la francophilie allaient de soi dans la famille. Et adolescent, Ion Vinea, comme ses collègues lycéens, passe une bonne partie de son temps dans les librairies bucarestoises qui reçoivent toutes les nouveautés parisiennes. Il évoque d'ailleurs cette fièvre donc dans un ouvrage donc, que je vous cite, alors qui malheureusement n'est pas traduit, mais dont la seule édition roumaine qui a été publiée de ce roman posthume est à la Bulac. C'est pour ça que j'en ai privé la Bulac pour préparer cette intervention, et qu'elle ne peut pas être exposée comme un certain nombre d'autres d'ailleurs, sur l'étagère balkanique de la Bulac. Il s'agit du roman Venin de Mai, Venin de Mai en roumain, qui est un gros roman posthume publié par celui qu'on connaît d'habitude plus comme poète, qui est à caractère très fortement autobiographique et qui évoque notamment au début cette fièvre des lycéens bucarestois par rapport à la perspective parisienne. Aller à Paris est voilà, une,
une obsession de ces lycéens qui rêvent tous de faire une carrière littéraire, en tout cas lorsqu'ils font partie de ce grand lycée de Bucarest qu'a fréquenté Ion Viner. Donc dans sa vraie vie de lycéen, et pas seulement comme c'est le cas de son héros de roman, Vinea était effectivement élève au prestigieux lycée Sfântu Sava de Bucarest, où il avait pour condisciples des gens que vous connaissez, parce qu'ils vont devenir célèbres, en l'occurrence Tritz Tantsara, le fondateur du dadaïsme, qui ne s'appelait pas encore comme ça à l'époque, et Marcel Iancu en particulier, qui est l'un des peintres du mouvement dada. Ces trois-là sont dans la même classe, et au lycée, entre 1910 et 1914, ils anime déjà une revue avant-gardiste et ils rêvent de partir à Paris. La guerre les empêche de réaliser leur rêve parisien, mais Tsara et Iancu partent, vous le savez, à Zurich où ils donneront naissance au cabaret Voltaire, à ce mouvement dada. Vinea ne pourra, lui, les retrouver à Paris qu'après la guerre, lors de son premier voyage en 1920. Alors là, il va venir assez régulièrement à Paris retrouver Tsara, avec qui il est très lié. Il loge bien sûr le plus souvent à Montparnasse, au quartier au cœur du quartier artistique, hein, en vogue à l'époque, exactement comme le héros de son roman, et c'est sans doute par ce roman qu'on sait ce qu'il faisait à Paris à cette époque. Le héros de son roman posthume, donc, qui s'appelle Andrei, habite rue Boissonnade, je cite, dans une cellule étroite et plus que modeste, pour la seule satisfaction d'être au cœur de Montparnasse et de pouvoir descendre à tout moment dans les cafés et les bars du quartier, débordant de ce monde bigarré et prétentieux où se recrutaient alors les célébrités mondiales. C'est à Paris que Vinea se lie d'amitié avec quelques grands noms, avec Scott Fitzgerald. Vinea était anglophone aussi, et il se lie d'amitié également avec le poète italien futuriste Aldo Paladeschi. Il fait connaissance aussi avec Marinetti, le fondateur du mouvement futuriste qu'on va retrouver dans un texte de Sébastien. Donc ils se fréquentaient beaucoup, et il semble assez clair que Vinea les a connus par les réseaux de Tsara, mais également d'un autre célèbre compatriote roumain qu'il va du coup incarner dans son roman, qui est Brancusi. Brincuș pour les Roumains, Brancusi pour les Français, que Vinea va, à qui il va rendre visite dans son fameux atelier de Montparnasse. Alors ces deux-là, Tsara et Brancusi, sont justement mis en scène dans le roman Venin de mai que je vous évoquais, donc qui malheureusement n'est pas traduit, sous des pseudonymes, et qui sont, les personnages sont aisément reconnaissables. Tsara est affublée du glorieux nom de Clovis. Est-ce que c'est parce que Clovis est un fondateur de dynastie et donc de pays? Or, Tsar en roumain, c'est le pays. Je n'en sais rien, c'est une hypothèse. Quant à Brancusi, il est peint sous les traits du maître sculpteur Gorjan, et il est au centre en fait de la scène principale du chapitre parisien de ce roman. Et c'est de toute évidence, hein, la scène du roman est une scène que Vinea a vécue, où il va déjeuner dans l'atelier de Brancusi, qui donne au héros du roman non pas une leçon de sculpture ni de littérature, mais une leçon de cuisine. Brancusi cuisinait pour ses invités, hein, sur un poêle à bois roumain au cœur de Montparnasse. J'avoue que la scène est assez savoureuse dans tous les sens du terme. Tsara écrivait à Brancusi en 1923 en français. « Mon cher Brancusi, il n'y a que la France où l'on puisse vivre. Le reste du monde est composé de gitanes et de fêtes en carton. » Fin de citation. Eh bien, Vinea ne suit pas le conseil de son compatriote, de ses deux compatriotes, hein, dont on sait qu'ils s'installent à Paris. Vinea rentre à Bucarest, même s'il aime beaucoup Paris. Et c'est en fait cohérent avec son soutien à l'idée de révolution, avec un grand R, de révolution au sens et artistique et politique. Vinea, c'est probablement le poète avant-gardiste roumain le plus engagé politiquement. Or, cette révolution, elle doit être menée partout et non pas seulement conçue dans les petits cercles parisiens. C'est pour ça une des raisons pour lesquelles Vinea, voilà, rentre à Bucarest, hein, et pratique sa poésie d'avant-garde à Bucarest, précisément pour créer, comme il le disait, une internationale, je cite, une internationale des publications d'avant-garde du monde entier, créant par-dessus les frontières une émulation réciproque, une internationale intellectuelle. Cette internationale, elle doit donc se répandre au-delà du petit foyer parisien. Mais il est clair que Vinea a profité de tous ces débats. Il a raconté dans ses souvenirs, dans les années 60, dans un article, justement, le souvenir d'une soirée parisienne, d'une réunion de l'état-major surréaliste dans la maison de Tristan Tsara, qui était elle-même une maison d'architecture avant-gardiste qu'on peut voir aujourd'hui encore à Montmartre. Réunion à laquelle ont participé Breton, Éluard, Aragon, Soupeau et bien d'autres, sur la question de savoir s'il fallait que les surréalistes publient ou non dans l'Humanité, hein, jusqu'où il fallait mettre la littérature d'avant-garde au service de la révolution
socialiste. Voilà, finalement, donc Vinéa, comme je vous le dis, choisit d'aller cultiver cette avant-garde littéraire à Bucarest, quitte à ne revenir à Paris que de temps en temps, et en fait de moins en moins. Comme il le dit dans son roman, et comme il le fait dire à son héros de roman, je cite, « Je suis partie à Paris avec Andrei, le rêve de notre adolescence s'était réalisé. » Et on a un petit peu la sensation qu'une fois que le rêve est réalisé, on peut ensuite aller refaire sa carrière à l'Est, en gardant bien sûr le contact, parce qu'il garde un contact très serré avec Paris. Mais Vinéa ne retournera plus à Paris évidemment à la fermeture des frontières post-Deuxième Guerre mondiale. Alors pour Sébastiane, pour Mireille Sébastiane, parce que je sais qu'il faut que j'aille vite, malheureusement Paris sera finalement, la vie de Sébastiane est beaucoup plus courte, pour ceux qui le connaissent un petit peu, vous savez sans doute que Sébastiane est mort très brutalement en 1945, il avait 38 ans, il a été renversé à la libération en fait par un camion soviétique, enfin en tout cas il a eu un accident de la circulation, alors qu'il avait encore une belle carrière qui s'ouvrait devant lui et qu'il venait de passer des années extrêmement difficiles dans la Roumanie antisémite. Des années de guerre. Mais pendant cette assez courte vie, son expérience parisienne de jeunesse, et ça qui est intéressant, a vraiment été réapparaît dans différents textes. Sur Mireille Sébastiane, juste quelques mots qui sont, je pense, très importants. Je vous ai dit qu'il était né à Braila, donc dans ce port danubien, et dans une famille juive, comme l'indique son nom de naissance, puisque Sébastiane est un pseudonyme, il s'appelait Yosef Hechter. Et il a changé de nom, évidemment, pour publier plus facilement. Il a fait des études de droit et de philosophie à Bucarest, où il a fait partie des disciples du fameux professeur de philosophie de Bucarest, Nae Ionescu, qui est devenu l'idéologue de la garde de fer, ce qui a créé pour Sébastiane, qui à la fois, il y avait un rapport, si vous voulez, de fascination, répulsion, évidemment, pour cette mouvance intellectuelle ultra brillante, mais qui s'est engagée pour des causes plus que douteuses. Et finalement, dans cette biographie intellectuelle roumaine et littéraire, roumaine de Sébastiane, qui est pleine de polémiques assez violentes, dues donc à sa judaïté dans un contexte politique compliqué, la parenthèse parisienne, précisément, pourrait n'être qu'une parenthèse. À la limite, elle passe assez inaperçue, au point que j'ai eu du mal à trouver les dates de son fameux séjour parisien, qui est un séjour d'étudiant. Bon, je les ai finalement trouvées. Sébastiane a vécu un an et demi à Paris comme étudiant de décembre 1929 à juillet 1931. Et en fait, je me suis aperçue en reprenant ces textes que c'est loin d'être une parenthèse sans importance. Parce que cette expérience ressurgit régulièrement. Elle ressurgit donc dans différents textes. Je vous ai dit que Sébastiane était romancier, dramaturge et journaliste. Paris ressurgit d'abord dans une série d'articles de presse qu'il envoie depuis Paris. Il est étudiant, il publie déjà beaucoup dans la presse littéraire et culturelle et politique. Et il se trouve qu'un groupement de ces articles ont été faits et traduits en français. C'est très simple à trouver, ça se lit tout seul, c'est à la Bulac, mais c'est aussi dans toutes les librairies. Ça s'appelle « Promenade parisienne » de Mireille Sébastiane et je vous le recommande, c'est un petit délice. C'était donc des articles de journaux envoyés de Paris et puis quelques-uns écrits après. On retrouve Paris aussi chez Sébastiane dans un autre petit groupement de récits qui s'appelle Femei, en roumain, femme. Ce sont des portraits de femmes et trois sur cinq de ces portraits sont des portraits de femmes parisiennes. Enfin, en tout cas, l'action se passe à Paris, c'est aussi à la Bulac, et c'est aussi dans la même collection de Lerne. On retrouve aussi Paris dans ce fameux roman qui avait fait scandale à Bucarest, assez connu, qui est traduit en français depuis 2000 ans. La face parisienne constitue toute la quatrième partie de ce roman, et il semble assez clair que l'épisode français a joué pour Sébastiane probablement le même rôle qu'il joue pour le héros du roman depuis 2000 ans. Avant de revenir sur ce rôle que ça joue, je vais rapidement vous faire une petite liste des lieux et des figures parisiennes qui sont exploitées dans ces textes. Alors évidemment, on retrouve Montparnasse, comme chez Vinéa. Tout le début de la quatrième partie du roman est une belle description de la terrasse. De la terrasse de la Coupole, qui était la grande brasserie, la nouvelle grande brasserie de Montparnasse,
des années 20. J'aurais voulu vous citer un passage, mais j'ai peur de ne pas avoir le temps. Donc peut-être je m'abstiens, mais c'est absolument délicieux. On y trouve les galeries d'art de la rue de la Boétie, parce que Sébastien les avait beaucoup fréquentées. On est dans le 8e arrondissement. Cette fois-ci, il a très probablement fréquenté notamment la galerie de Paul Rosenberg, où il allait voir les expositions de Braque, de Picasso, de toutes ces toiles modernes, mais où il allait voir aussi, il y allait pour le spectacle de la comédie humaine, c'est lui qui le dit, il n'allait pas y voir que les tableaux, hein. Il y allait aussi pour, je le cite, les rencontres et les gens qui ont la diversité d'un spectacle, voir la comédie humaine des Parisiens, qui était différente dans chaque quartier. On y trouve aussi le quartier latin. Mais alors, comme dit Sébastien, l'autre Paris, pas le panthéon touristique devant lequel les jeunes mariés viennent se faire photographier. Ce qu'il aime dans le quartier latin, c'est particulièrement la rue Mouffetard et l'église Sainte-Geneviève, ce bout de Moyen-Âge, comme il le dit. Une autre église du Moyen-Âge qu'il adore, c'est l'église Saint-Germain. Et c'est amusant de lire maintenant, sous la plume de Sébastien, que c'est, je cite, l'un des coins les plus méconnus de Paris. Il est vrai que le quartier Saint-Germain n'était pas encore devenu, à cette époque-là, justement, ce qui prend la suite de Montparnasse, hein, dans les années 50. Ça va devenir le haut lieu de la vie intellectuelle post-Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas que les coins du Paris mondain qui attirent Sébastien. Il aime les quartiers plus populaires et notamment ceux qui lui rappellent sa Braila natale. Alors, où est Braila à Paris ? Eh bien, les quais du Danube et le pont d'Austerlitz, ce petit port, entre guillemets, industriel sur la Seine. Sébastien le note, pour lui, c'est un clin d'œil à sa Braila natale. Le métro, il y a des beaux textes sur le métro parisien, ça m'a beaucoup amusé de les lire, je vous les recommande, dans ces balades parisiennes. La cité universitaire internationale, qui est en face du parc Montsouris, un très beau texte sur son émerveillement devant la cité universitaire, où il dit d'ailleurs, la Roumanie a acheté un terrain pour faire un pavillon roumain, et c'est amusant de lire. Je suppose que ce pavillon attendra longtemps d'être construit. Je crois qu'il ne l'a jamais été. À ma connaissance, il n'y a pas de pavillon roumain à la cité internationale. Et Sébastien écrit « Je m'attendais à visiter une caserne, parce qu'il connaît les cités universitaires roumaines, et j'ai connu un intérieur. Je crois que je goûte pour la première fois la beauté de ce mot, un intérieur. » Pourquoi ? Parce qu'il a expliqué juste avant, je le cite à nouveau, « Il y a certainement beaucoup de belles choses à la cité internationale. Moi, une seule m'a frappée, chaque étudiant a sa chambre. » Fin de citation. Et je ne sais pas s'il a lu l'essai de Virginia Woolf de 1929, c'est-à-dire la même année que son voyage à Paris, une chambre à soi, sur la nécessité pour un écrivain, notamment pour une femme, d'avoir une chambre à soi pour écrire. C'est ce qui fascine le jeune Sébastien, des chambres individuelles pour les étudiants à la cité internationale de Paris. Je vous recommande aussi la description de la cité U. Bon, les squares de Paris, le bois de Boulogne, hein, où un de ses personnages est invité pour une partouze dans une voiture. On se doute que c'est quelque chose de vécu. La rue de la Convention, qui donne lieu à tout un chapitre dans le petit volume sur les femmes. Il s'en explique d'ailleurs, il dit « J'ai tellement aimé ce quartier où j'ai vécu que j'ai fabriqué un chapitre exprès pour évoquer le quartier de Convention ». J'ai pas le temps de vous lire un extrait, mais c'est un chapitre qui présente la vie d'une Parisienne, d'une petite artiste de cire qui s'appelle Arabella, dont le narrateur s'éprend d'un amour fou, et ils emménagent ensemble. Simplement, ils sont assez dépensiers au début, et quand ils n'ont plus d'argent, heureusement que l'esprit pratique français vient au secours du ménage, parce que le mode de vie bohème balkanique est en train de creuser le budget. Et donc Arabella déménage à Convention pour payer moins cher de loyer, et là il y a des paragraphes aussi assez amusants de la part de Sébastien le balkanique sur l'esprit de pingrerie des Français. Il s'étonne de la capacité des Français, mais enfin c'est ce qui sauve leur ménage, à économiser 3 francs 6 sous, 2 centimes par là, en montant en deuxième classe dans le métro, alors qu'à Bucarest, évidemment, tout le monde se précipite en première, parce que c'est un déshonneur de monter en deuxième classe dans le tramway. À Bucarest, il n'y avait pas de métro encore à cette époque-là. Enfin, en tout cas, l'esprit français, en tant que français, en prend pour son grade sur un certain nombre de thèmes amusants. Parmi les figures parisiennes, mais parisiennes et balkaniques, que peut croiser Mihai Sébastien, la figure d'un mort. Il croise sur sa route un cortège funèbre et il le suit, le cortège, parce que visiblement ça parle des langues balkaniques dans ce cortège, notamment bulgare. Et qui enterre-t-on à Paris
en juin 1930, le peintre d'origine bulgare, Jules Paskine. Et Sébastien était à Paris à ce moment-là. Il tombe sur le cortège et il en parle aussi dans ses promenades parisiennes. Peut-être je peux vous lire un tout petit extrait parce que là, c'est doublement dans notre sujet. Alors, il est particulièrement intéressé par la figure de ce peintre bulgare et juif qui vivait à Paris et qui avait été surnommé, j'avoue que j'ai lu le livre d'Hemingway, mais je ne me souvenais plus de ça. Hemingway, dans Paris est une fête, parle de Paskine et l'appelle le prince de Montparnasse. Et Paskine donc, s'est suicidé en juin 1930, donc Sébastien est à Paris à ce moment-là. Et il... Non, je ne retrouve plus le passage, donc je ne vous le lis pas. J'ai du mal noté le numéro de page. Vous irez le lire tout seul. En revanche, pour boucler la boucle et revenir au Paris de l'avant-garde littéraire qui avait attiré Vinéa, Sébastien écrit un chapitre assez drôle, et c'est là qu'on voit qu'il n'était pas dans la même mouvance littéraire que son collègue roumain. Le premier chapitre des promenades parisiennes s'intitule « Une soirée futuriste à Paris ». C'est, je crois, le premier article de journal qu'il envoie à son journal bucarestois. Et c'est assez drôle. Il décrit donc une conférence en fait, qui est donnée par Marinetti à Paris en 1929. Sa description est assez ironique sur l'atmosphère de conspiration et de mystère qui n'est pas sans contraster avec la douceur parisienne. C'est une conspiration mondaine. Dans ce décor agressif, je reconnais, rassuré pour ma sécurité personnelle, un public parisien bonhomme et enjoué, des femmes aux robes troublantes, des hommes en smoking, des jeunes gens, etc. Et à 9h précise, dit Sébastien, j'aime cet ordre bourgeois dans une assemblée futuriste, on annonce Monsieur Marinetti de l'Académie royale d'Italie. Il décrit ensuite la conférence de Marinetti, et là c'est amusant. Je le cite à nouveau, c'est la conférence d'un joyeux révolutionnaire, contre la tradition, contre les musées, contre les bibliothèques, à bas l'ordre, à bas la synthèse, à bas la métaphysique, à bas l'esprit critique, à bas la tristesse, à bas le doute, nous voulons l'émancipation de la pensée, la liberté des sentiments, etc. Vive l'optimisme, vive la guerre, vive le lyrisme. Et c'est amusant, je ne sais pas s'il y a un clin d'œil précisément à un fameux manifeste de Ion Vinea, qui est un de ceux qui ont rédigé en roumain des manifestes de la... Manifeste de la jeunesse surréaliste, enfin manifeste surréaliste pour la jeunesse activiste, je ne sais plus exactement comment il s'intitulait. Je ne sais pas si c'est un clin d'œil ou pas, mais on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Je ne sais pas s'ils se sont croisés à Paris en même temps. En tout cas, Sébastien a un petit peu fréquenté, même si c'est pour s'en moquer, ces rendez-vous futuristes et avant-gardistes Paris de 1929-1930. Je termine peut-être par un dernier clin d'œil bulgare dans cet article, pour rester dans les Balkans, dans cet article sur la soirée futuriste à Paris. Qui se finit, cette soirée futuriste, donc se finit par des danses futuristes, une démonstration musicale. Mais je cite Sébastien qui dit « Je dois garder mon enthousiasme pour un poème italien intitulé « Le bombardement d'Antrinople ». Marinetti, donc le futuriste italien, s'enfle, se désenfle, de la fumée sort du sommet de son crâne, il ferme les yeux, il les rouvre, il trépigne, il s'interrompt brusquement et d'une voix bien posée de baryton, il entonne à l'improviste l'hymne national bulgare. Strumi Maritsa, pardon pour les Bulgares, je ne connais pas l'hymne national bulgare. Voilà, c'est dans la transcription de Mihai Sébastien, et Mihai Sébastien commente « J'avoue un moment d'intense satisfaction. Pour une fois, je tire vengeance de la respectabilité sociale. Cet académicien mélomane et sportif qui déclame de belliqueux poèmes onomatopéiques règle ce soir mille et un comptes. » Il y a plein d'allusions à ces tensions en fait aussi internationales, plus ou moins nationalistes, qui viennent reprendre leur place dans une assemblée futuriste et avant-gardiste littéraire. Voilà, alors je disais à un moment, et je termine là-dessus, que cette expérience parisienne avait été, à mon avis, très importante pour Mihai Sébastien, parce que ça semble en fait faire contrepoids lorsqu'il rentre à Bucarest. Très probablement, l'esprit français, je crois, fait contrepoids chez lui, et il le dit quasiment explicitement aux emportements violents, passionnés, polémiques, qui sont propres, un, aux Balkaniques, deux, à la mentalité juive, dit-il. Et lui, évidemment, il est tout cela en même temps. Il explique que cette calme pensée dépassionnée, sceptique, claire et distincte, entre guillemets, de ces cartésiens de français, l'ont beaucoup aidé à trouver une sorte d'équilibre
à Bucarest et a gardé cette lucidité qui l'a beaucoup caractérisé pendant ces années d'antisémitisme où il a essayé de trouver sa place entre ses collègues comme Mircea Eliade et bien sûr ses amis très proches qui se rangeaient derrière les fascistes roumains. Et puis, ses propres problèmes identitaires roumano-juifs, il se rattachait à cet esprit français, à cette clarté et à cette lucidité française qu'il avait apprise à Paris. Il le dit très clairement dans ce roman depuis 2000 ans, dans le chapitre français que je vous recommande tout particulièrement. Je m'arrête là parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vous remercie. Eh bien, merci beaucoup Cécile pour cette balade littéraire passionnante à travers les rues de Paris de l'entre-deux-guerres où on voit les transferts culturels s'effectuer, où on voit aussi des représentations croisées entre les écrivains originaires de l'Euro-Balkanique et puis les citoyens qu'ils retrouvent, qu'ils fréquentent sur les place Roumains, à Paris. Bulgares. Les Roumains, les Bulgares, aussi les rencontres inter-balkaniques à Paris de cette période avec tous les courants idéologiques qui vont du cosmopolitisme jusqu'aux mouvements les plus réactionnaires de l'entre-deux-guerres. Et nous, je pense que nous pouvons maintenant continuer notre exploration à travers cette effervescence intellectuelle et culturelle à Paris de l'entre-deux-guerres avec la communication d'Alexandra Kolakowicz sur Marco Ristić entre la diplomatie et les modèles littéraires. J'aimerais remercier Alexandra d'avoir accepté et aussi de participer à notre rencontre. Alexandra, elle est enseignante à l'Institut d'études politiques à Belgrade où elle est également secrétaire et elle est aussi à l'origine d'un projet franco-serbe. Donc ça nous rapproche aussi de notre thématique sur les échanges entre l'Europe balkanique et la France. Ce projet est intitulé « Les rapports franco-serbes dans le domaine des relations diplomatiques et des représentations médiatiques ». Aujourd'hui, elle va nous parler de cet auteur majeur de l'entre-deux-guerres, Marco Ristić, dans l'Europe balkanique et son séjour parisien. Merci beaucoup, Alexandra. Merci à vous, Nicolas. Merci pour cette organisation. Au début, la question clé est qui était Marco Ristić? Comme c'est commun, quand il s'agit d'un intellectuel, la réponse était complexe. Je choisis de dire que Marco Ristić était surréaliste, écrivain et diplomate. Je dirais assez que c'était un homme qui a introduit une partie de la vie culturelle parisienne dans l'environnement serbe ou yougoslave entre deux guerres mondiales. Né au début du XXe siècle dans une famille de Belgrade, axienne et respecté, il était le petit-fils de Jovan Ristić, le ministre serbe, premier ministre, homme de l'État et académicien. Et il fait ses études à Belgrade et en Suisse dans la période de Première Guerre mondiale. En Suisse, où il a pris le conseil. Son travail en tant que surréaliste et écrivain a déterminé la rencontre avec la littérature surréaliste française qui lui a été apportée par Rastko Petrović, aussi un écrivain serbe, Rastko Petrović est revenu à Paris en 1922. La formation définitive de Ristić en tant que surréaliste a été déterminée par son séjour à Paris en 1926 et 1927. Alors, Marco Ristić sort du cadre de sa culture serbe, culture yougoslave à cette époque, et à travers le contact avec des surréalistes français et dans le salon parisien de l'époque. Il rencontre un nouveau mode qu'il entend de transférer à Belgrade.
Depuis le 19e siècle, les intellectuels serbes ont été éduqués en français, où ils ont trouvé une partie de leur éducation et inspiration pour leur travail dans les rues de quartier latin. Dans la conversation avec le contemporain et à travers l'observation de la vie politique et culturelle de Paris. L'un des professeurs de Ristić était Pavle Popović, ancien élève serbe à Paris et frère de Bogdan Ristić, un chef de file des francophones de Serbes, de toute génération de l'intellectuel serbe de cette époque. En même temps, l'horreur de la Grande Guerre a laissé une impression puissante sur toute la génération. La réponse artistique du mouvement Dada, qui a souvrir le surréalisme comme un mouvement littéraire qui est opposé aux traditions et normes sociales, tente de changer l'image du monde et de libérer l'homme de toutes les chances et les noms. De cette raison, il est par un hasard que Ristić, après qu'il avait lancé à Belgrade la revue Putevi i svedočanstva, route et témoignage, grâce à une connaissance des œuvres de Baudelaire, Rimbaud et Apollinaire, a connu le travail d'André Breton et son manifeste de surréalisme. Pour le manifeste de Breton, Ristić a écrit que le marque le début d'une nouvelle attaque dans cette croisade romantique idéaliste où il y a de l'imagination et de l'illusion de la libération de toutes les forces antérieures de l'esprit de Rome et de lutte pour leur propre libération. Une première réunion de Ristić et Breton et d'autres surréalistes, Aragon par exemple, a eu lieu en 1926 à Paris. Cette année a été un tournant de le surréalisme. Il a été commencé l'ère politique du surréalisme. Les surréalistes ont commencé à régir l'ordre politique pour lutte contre le colonialisme, donc pour répondre des environnements sociaux, artistiques, philosophiques, des phénomènes, des processus de son temps. Louis Aragon, André Mazon, Paul Éliard, Jacques Prévert et l'autre, le membre du premier cercle des surréalistes de Paris, était le modèle dont Ristić suivit et introduit dans le cercle des surréalistes serbes. Donc, Oskar Davičo, Milan Dedinac, Dušan Matić, Rasko Petrović et d'autres. Y compris l'épouse de Ristić, Jelica Živadinović-Ševa, on fait patrie, comme la plupart des surréalistes vivaient à Paris dans l'année 20 et 30 du 20e siècle. Ristić est également confronté à des personnalités telles que René Magie, Juan Miró, Marx Ernst, Salvador Dali, Albert Giacometti et autres. Paris devint aussi un lieu de rencontre de la culture serbe avec le surréalisme, un modèle littéraire à s'ouvrir. Sous l'influence du premier contact avec le surréalisme parisien, le cercle de collage La Vie Mobile a été créé. Puis, avec sa femme, il a acheté la peinture de Marx Ernst, le Liban, en zone en cage, qui est maintenant dans la collection du Musée de l'art contemporain à Belgrade. En 1928, il publiait un anti-roman, Sans mesure, et sur la face frontale se trouve la peinture de Marx Ernst.
Ristić s'est également engagé dans la traduction de la langue française. Il existe l'exemple, savoir l'œuvre d'André Gide, La cave du Vatican. En outre, Ristić est devenu le onde fondateur du groupe surréaliste à Belgrade et la signataire du manifeste surréalisme de Belgrade de ce groupe. Avec Alexander Vucho et Dusan Matic, il était éditeur de l'almanach L'Impossible, où il publiait des collages Réveil et crustacés sur le patron. Avec Matic, il a écrit La position du surréalisme, signée par l'autre membre du groupe surréaliste de Seb. Il est ensuite devenu le rédacteur en chef du magasin Le Surréalisme aujourd'hui et ici, et publié le livre Le plan pour l'homme phénoménologique de l'irrationnel avec Koča Popović, yougoslave diplomate. Et Turpituda, qui était suisse par la police à Zagreb. Il a également lancé la revue Pečat avec Krleža, dans le même à période de 1939. Et dans le même temps, Ristić entre dans le cadre du surréalisme parisien. Déjà, en 1933, il collaborait avec Journal Parisien, le surréalisme au service de la Révolution, où il publiait réponses de questionnaires, la mort et l'attitude morale. En 1938, il collaborait avec le magasin Minotaur. Ristić, comme d'autres surréalistes, écrivait la poésie. De bonheur de rêve, Nox Microcosmica. Mais son travail dans Saint-Champ est resté dans l'ombre de l'écriture d'essais et de critiques littéraires. La culture seb ou yougoslave se joint grâce à des individus comme Ristić au flux culturel et interculturel moderne. La littérature française était signé de la noblesse de Belgrade à cette période entre deux guerres, et Ristić restait attaché aux études surréalistes de base sur la nature de la fonction de la littérature et de l'art qu'il apportait de Paris. À propos du dilemme fondamental des années 30 de la littérature engagée, Ristić écrit que la poésie aspirait au même bout pour celui par toute action morale et sociale, la libération complète de l'homme. S'il elle exprime le tri intérieur de l'homme, la poésie est assimilée à la morale, alors qu'il s'est que c'est l'être moral si elle était subordonnée de la morale sociale et au bout utilisée. Le vrai poète lui-même, par l'essence de son travail, est révolutionnaire parce qu'il aspirait au même but que la révolution, la libération totale de l'homme. Dans ses œuvres, le sens moral et social de la poésie préface à plusieurs romans non écrits, histoire et poésie, Ristić souligne le sens moral et social de la poésie seulement quand il est certes ni but moral ni social, mais ses propres poétiques. Noémoi, le surréaliste de Belgrade, entre les deux guerres, bien qu'ils avaient suivi le professeur, le surréaliste de Paris, n'ont pas pris au sens politique la direction tout à fait à gauche. Le surréaliste de Belgrade, il y en a 13, Ristić était le leader,
Ils tenir à l'écartèque comme des secrets sectés de la français était la langue, langue de communication. L'étude de l'œuvre de Marko Ristić ouvre le contexte européen du surréalisme serbe qui émergeait dans le cercle littéraire de Paris. Le lien spécial entre Ristić et André Breton est particulièrement symbolique. En 1932, Breton a réuni un groupe surréaliste dans un café de Paris nommé Prophète. Marko Ristić a été invité aussi. Sinon, il est également important de noter que ce groupe surréaliste dans le contexte français a marqué le début de la phase de surréalisme au service de la Révolution. Ristić a été appelé par les gauchistes comme un breton aussi. Et quand Breton a été appelé trotskiste, Ristić a reçu cette épithète. Plus tard, Ristić envoyait à Breton une carte postale de l'arc de Plitvice. Maintenant, c'est Croatie. Ristić dit que représente cette fée de lac magnifique et plastique impeccable que la nature réalise dans le haut de cette grotte mystérieuse de Plitvice. Ristić a écrit des fées de grotte dans son travail, comme André Breton dans L'amour de foi. Publié à Paris en 1937 et dans le manifeste surréalisme. Il écrit « Il y a des histoires qui sont devenues autres écrits pour l'adulte, les histoires qui sont presque toujours épiques. » L'origine des idées de Marko Ristić était Paris. C'était la littérature française, mais il cherchait ce qui était le moins local, le moins lien et esprit et la tradition française. Ristić cherchait pour l'intégration à Paris. Parce que c'est contemporain, mais à travers le modèle français. Ristić a passé la Seconde Guerre mondiale dans une ville thermale du centre de la Serbie, Vrnjačka Banja, et pendant un certain temps, il était dans une prison à Kruševac. Il revient sur la scène publique en 1944 avec une série d'articles politiques dans la quotidienne Politika e Borba à Belgrade. Dans cette période, à travers Milovan Djilas, le leader de communiste serbe, il a reproche de nouvelles autorités communistes et entre une diplomatie. Plus il revient à Paris, où il était ambassadeur de la Yougoslave de Tito dans la première année d'après-guerre, de 1946 à 1951. En arrivant en France, il a dit qu'il était honoré à faire d'autres ambassadeurs à Paris, dans un pays qui nous a toujours été cher, dans un pays qui, par le sens légal et son historique, la richesse de la culture et la liberté de son peuple, était pour nous, depuis longtemps, une source d'espoir, d'encouragement et d'inspiration. Cette venue de Ristić dans l'édifice à l'ambassade de Yougoslave, près de Trocadéro, ressemble à nouveau des surréalistes ainsi que d'autres qui ont artistes. Aragon, Paul Elliard, Pierre Emmanuel, Jacques Rousseau et autres étaient des invités franco de salons littéraires et politiques dans l'ambassade. C'était un voyage de la littérature. Pendant un temps de cours, il était rédacteur du chef de l'Institut d'édition yougoslave et il lançait la revue Svedočanstva.
Il a terminé sa carrière en tant que président du comité des relations culturelles de l'étranger et il est également un membre correspondant de l'Académie yougoslave de sciences et de technologies et du conseil de la Fédération yougoslave. En Serbie, aujourd'hui, l'œuvre de Marko Ristić est presque oubliée. Son héritage, document écrit, est conservé dans l'archive de l'Académie serbe des sciences et des arts. Il n'y a pas encore été très trié et il n'y a pas facile d'obtenir l'autorisation de l'utiliser. Il existe l'étage de Marko Ristić, c'est le musée de l'art contemporain de Belgrade. Il n'y a pas de mémoire ou de thèse de doctorat, c'est-à-dire bibliographique de Marko Ristić. Des connaissances insuffisantes de son opus sont l'amalgame de son interrogé en tant que de descendant de la vieille famille bourgeoise, conduit au régime communiste de la Yougoslave d'après-guerre. L'interprétation qui le place sous la forme de la personne non grata à la culture serbe. Je crois que des recherches plus détaillées, et notamment de ses contacts et relations à Paris et en France, contribueraient à éclairer plus en détail son travail et tant que lieu entre la culture française et la culture serbe, de même que du opus qui dépassait le cadre national et patrimonial. Aussi, pour Marko Ristić, je terminais avec ça, Paris était une inspiration, était de modèle culturel, et de la même temps, il était modèle internationaux. Merci beaucoup. Excuse-moi pour mon français. Merci beaucoup, Alexandra, pour ce voyage à travers Paris du surréalisme. Hein, encore une fois, on retrouve des correspondances des surréalistes avec la présentation de Cécile, et les deux écrivains roumains à Paris de l'entre-deux-guerres. On retrouve aussi l'aspect transnational. Là, je pense que c'est quand même aussi cette recherche de la dimension transnationale dans les écrits de ces écrivains de l'Euro-Balkanique qui se jouent à Paris pendant cette période. Et nous allons explorer notre cartographie littéraire et géographie à travers Paris de l'entre-deux-guerres avec un poète bulgare, Atanas Dalchev, que va nous présenter Svetla Musakova. Merci beaucoup Svetla d'avoir accepté cette invitation. Et Svetla, qui est maître de conférences HDR à Paris, Sorbonne Nouvelle, à Paris 3, et qui est également directrice des recherches en histoire culturelle et responsable d'un master en études européennes. Avec Svetla, on partage entre autres notre passion sur l'histoire de la presse. Et je pense que nous allons avoir l'occasion d'en parler. On a déjà évoqué les implications, les engagements journalistiques de plusieurs écrivains de l'Europe balkanique séjournant à Paris de cette période. Et je vais donner la parole les hommes et les hommes et les femmes, bien évidemment. Cet aspect est très important dans la création artistique à Paris de cette période et ailleurs, bien évidemment. Et je vais être là. Merci beaucoup. Nous allons maintenant écouter ta présentation autour de la place de Paris comme cataxis poétique, la ville de Paris comme cataxis poétique dans l'esthétique éclectique d'Atanas Dalchev. Merci beaucoup. Et la parole, et est-ce on pourrait juste échanger, bien évidemment, parce que non, il y a eu. tiens, on va faire. C'est moi qui a fait. Non, aucun chose, problème, ouais. C'est. Ouais, hein? Merci. Et donc. Les voilà, Atanas voilà. Dalchev et. Voilà. Ses pérégrinations à Paris. Voilà, pérégrinations à Paris, comme tu dis. Alors, c'est un. Atanas Dalchev est un grand poète bulgare, méconnu peut-être en France. Je ne sais pas si quelqu'un
ici dans cet auditorium entendu parler ou à lui. Donc il a été traduit en français brillamment par une jeune dame. Pourquoi je l'ai choisi en répondant à l'invitation à Nicolas? Et vous savez qu'on peut pas dire non à Nicolas, on peut pas refuser. Voilà, c'est très difficile. Donc on dit oui donc à ces invitations. Et heureusement qu'il est là. Alors, pour comprendre ce phénomène de catharsis que je vais très brièvement essayer de vous présenter, donc il faut peut-être commencer par une sorte d'inventaire de la poésie bulgare entre les deux guerres. Alors, c'est une période qui est fructueuse du point de vue de la production poétique, mais qui reste contradictoire. Ce sont les héritiers du symbolisme qui quittent petit à petit la scène littéraire, en cercle très connu, les auteurs comme Vazov et Slavekov, par exemple. Et ces symbolistes tardives sont accompagnés par la production des auteurs qui adhèrent aux révolutions russes et les révolutions sociales qui accompagnent les années d'après-guerre. Donc le milieu littéraire entre les deux guerres peut être défini comme très hétérogène. La conscience esthétique symboliste dans les premières années après la guerre était mise à mal par les guerres, les révolutions. Et à ce moment-là, il y a un changement à la fois idéologique et poétique dans cette production très, très riche qui, par le biais du climat social intellectuel et l'élan révolutionnaire omniprésent dans le contexte national bulgare et balkanique, rapproche la poésie à la réalité. Alors, sur ce fond historique et littéraire des années 20 et 30, émerge un cercle majeur, un cercle à la fois philosophique et littéraire, qui s'appelle Strelets, le tireur. C'est une formation spectaculaire, hautement représentative de l'évolution intellectuelle en Bulgarie entre les deux guerres. Sa courte existence est intimement liée à l'émergence d'une esthétique éclectique faisant appel à des éléments parfois contradictoires. Donc elle a duré quelques mois, du 2 mai 1926 jusqu'au 3 juin 1927. Et le poète le plus représentatif de ce cercle novateur expérimental est notamment le jeune Atanas Daltchev, qui est né le 25 juin 1904 à Salonique, donc il décède à Sofia en 1979. Alors, lui, âgé de 19 ans à cette époque, commence sa brillante carrière poétique par écrit des manifestes critiques. Donc il est intransigeant, sévère, très offensif. Donc ses premiers textes, ses premiers manifestes sont vécus comme des attaques poétiques. Et donc notamment la poésie morte, publiée le 13 juin 1923 dans la revue littéraire Res Vigor, numéro 168, est le premier grand texte critique de l'époque qui détermine les bases de ce nouveau programme esthétique dont le caractère est entièrement antisymboliste. Alors, sans entrer dans les détails, Atanas Daltchev, donc je rappelle qu'il a 19 ans, donc il a l'élan révolutionnaire de la jeunesse, donc accuse et attaque les grands poètes, symbolistes de l'époque, un peu vieillissants, comme Liliev, comme Rastvetnikov, etc., en les accusant justement de ne s'intéresser qu'à la perfection formelle de l'art poétique et de n'écrire qu'une poésie morte. Alors, le deuxième manifeste de Daltchev, écrit la même année dans une autre revue importante qui s'appelle Istok, numéro 55, est la prolongation, si vous voulez, la continuation de cet appel à, comme il dit, à barbariser le langage poétique et s'approcher à la réalité sociale. Alors, ceci dit, et en lisant avec grand intérêt aujourd'hui encore la véhémence de ces critiques anti-symbolistes de l'époque, on ne peut pas oublier quand même que Daltchev a commencé comme un grand poète symboliste. Donc toutes ses premières poésies sont
marqué par le symbolisme, par le symbolisme russe, par le symbolisme français, parce que c'est un grand connaisseur et traducteur de russe et de français. Et donc, il publie un recueil connu qui s'appelle Most, ce qui ça veut dire en bulgare pont, et qui sont d'une pure inspiration symboliste, donc dont les thèmes c'est la solitude, le pont, le passage, la traversée. Alors, Daltche fait aussi le poète de la tristesse, de la nostalgie, de l'amour perdu. Sa poésie reste froide, distante. Le thème principal est celui de la mort, de la solitude. Et donc, il écrit vraiment, ces sujets sont complètement déprimants. Il écrit les hôpitaux délabrés, les vieillards agonisants, mourants, les huttes de la pauvreté extrême des habitants. Donc, c'est un esprit réflexif qui est loin de toute sentimentalité. Le poète le plus solitaire, le plus isolé de la littérature bulgare. Ce qui n'empêche pas d'être une critique, comme j'ai dit tout à l'heure, extrêmement violent. Donc il a réuni en lui tous les paradoxes, toutes les contradictions, si vous voulez, de cette époque poétique tumultueuse. Alors ça, c'était la première partie de sa production, et donc on va voir pourquoi elle va être intéressante quand on va arriver au cycle parisien tout à l'heure. Alors après, il passe une période matérialiste, comme il appelle chosiste, pardon, ça vient de chose, chosiste, et il s'intéresse à la relation entre l'individu et le monde. Il s'intéresse avant tout par l'hiérarchie esthétique dans la poésie qui est dominée par la nature matérielle du monde. Et de là, le don de surobjectivité et chosisme dont il utilise les termes. Alors, dans cette période de sa production poétique, donc on sent un puissant souffle, une sorte d'aliénation et quand même une distance assez importante par rapport à la réalité sociale et historique qui, dans les années 30 en Bulgarie, est très, très dure. Donc là, il y a la dictature, il y a les insurrections, il y a les massacres, etc. Donc je ne vais pas revenir sur le contexte historique. Alors, le monde pour lui est un reflet, une vision qui est négative, qui est très... c'est un monde projection poétique, comme il dit, et qui ne représente que le côté matériel et concret. Par exemple, l'hôpital est représenté comme une salle vide et blanche où rôde la mort. Les murs décrépits symbolisent les huttes des pauvres, etc., etc. Daltchev s'intéresse avant tout à la projection non directe du monde, triste et nostalgique. Celle-ci s'inscrit souvent dans les images lugubres, les chemins boueux, isolés, les charrettes qui roulent vers le néant, des portes grinçantes, des maisons abandonnées, des coins jaunes qui forment un chapelet au bord des fenêtres. Même le soleil est perçu comme une tomate. Le soleil fut rouge comme une tomate. C'est une célèbre poésie. Et en fait, le monde est représenté comme un reflet sur le vitre, sur la vitre de la fenêtre. Le réalisme chosiste de Daltchev porte une suggestion principale autour d'une froideur réfléchie et impersonnelle. Sa poésie est centrée sur l'antinomie homme-monde, et en fait, il s'agit d'une incessante interrogation sur la possibilité gnosiologique de l'existence du monde sans l'homme. Cette atmosphère étrange et lugubre imprègne l'ensemble de son premier recueil, Fenêtre, Prozorets, édité en 1926. Quels sont les éléments de cette poésie qui est vraiment tranche beaucoup avec tout ce qu'on a connu dans sa première période symboliste? Il est question beaucoup de fenêtres, de plafonds, de murs, de balcons. Le seul mot fenêtre est repris 32 fois dans l'ensemble de ses poèmes, qui sont donc de ces 75 poèmes de ce recueil. On peut trouver l'explication de toutes ces récurrences obsédantes d'objets symboliques dans son poème Sonnet métaphysique, où Daltchev appelle fenêtre l'essence de l'homme. Alors, un petit extrait. En vain tu maudis le sort cruel et raille haineusement le pauvre corps. Âme, ta puissance et ta richesse,
tous les doigts portant à lui, le mortel. Ne te plains pas absurdément si Dieu t'a enfermé, rebelle dans la chair sans joie. Sans eux, l'essence, tu ne pourrais sortir de toi, monade murée. De cette manière, la chambre devient le corps, l'enveloppe matérielle de l'âme. Dalce Fraisse dans sa chambre, enfermée dans la solitude de son âme, en regardant par la fenêtre en dehors de soi-même. Cependant, cet extérieur est souvent perçu comme une ombre sur les murs, ses visions subjectives. Dans le cadre de cette même grille, le balcon, un autre élément répétitif, peut être interprété comme l'âme surplombant le vide de l'univers. Ça reste toujours dans le registre tristesse. Citation. Balcon 1928. Il est en fer et en pierre, ancien. On en voit de pareil dans le monde entier, ordinaire mais muré. Un balcon sans aucune porte. Même en plein jour, ne l'aperçoit pas du passant l'œil distrait. Les propriétaires eux-mêmes ignorent que leur balcon, que leur maison a un balcon. Alors, mentionnons également que Dalce fait sa propre mesure poétique du temps. Ça, c'est très important quand on analyse sa poésie de cette période. C'est un temps rythmé par le balancier d'un horloger. C'est une horloge géante qui brille comme un soleil, tandis que les heures sont allongées mortes sur le plancher. Dans cette atmosphère lugubre, même les catégories abstraites comme le temps sont présentées par les éléments de la nature morte. Même les hommes et les animaux, présence rare et fugace, sont perçus comme des natures mortes. Citation, Chambre 1925. Quel visage reflété jalousement a conservé le miroir? Il semble une fenêtre ouverte sur un monde d'autrefois. L'horloge est déjà tue, et dans son noir cercueil gisent mortes les heures et dort immobile le balancier. Alors, la vraie présence humaine apparaît plus tard, et donc ça sera en relation avec ses visites à Paris et donc sa troisième période bouleversante et bouleversée de sa production. Alors, dans cette première période, avant les cycles parisiens notamment, les êtres ne sont pas présentés. L'homme est évacué dans l'univers, comme il dit. Donc le désarroi de poète se traduit par un climat de fatalité hostile, sans espoir, ainsi que de l'aurore existentielle symbolisée par la vagabonde éternelle. Et donc on arrive aux cycles parisiens qui sont vraiment une sorte de catharsis véritable dans cette poésie tourmentée. Donc Dalce fait à deux reprises des séjours en France en 1928-29, quand il suit les cours à la Sorbonne, les cours de littérature, et puis en 36-37, les années pendant lesquelles il séjourne également à Toulouse pour suivre des cours, faire des recherches dans les bibliothèques. Ses impressions poétiques liées à Paris sont publiées dans deux recueils, Paris 1930 et L'Ange de Chartres en 1943. Et sont la manifestation avant tout la plus achevée, la plus mûre de son œuvre poétique. Donc le vrai poète Dalce, on dit, il naît à Paris. Et tous ces recueils avec une centaine de poèmes sont l'expression la plus aboutie de catharsis intérieure, qui se produit dans l'art meurtri du poète. Donc, dans ses poèmes, Dalce réussit enfin à trouver ce qu'il cherchait désespérément et péniblement au cours des périodes poétiques précédentes, notamment un équilibre entre son univers poétique tourmenté et la réalité. La catharsis des cycles parisiens provient du rapprochement avec la réalité, quand Dalce renonce à la surobjectivation de la représentation poétique pour introduire un moi poétique, marqué par une véritable présence humaine. Pour la première fois, le poète manifeste un certain pathos social. Ce phénomène signale également la fin de sa solitude individualiste, une ouverture qui se détruit par une ouverture que se définit par une volonté de partager la souffrance humaine. C'est notamment ce regard vers les autres qui le fait sortir de sa solitude existentielle en le réconciliant avec l'imperfection du monde. Il est intéressant de noter également que les cycles parisiens représentent une synthèse, une continuation artistique de tous les thèmes principaux de son œuvre, mais vu par un angle
humaniste et social, si vous voulez. Par exemple, on peut retrouver une évolution de la représentation de l'homme opprimé à travers le personnage de l'ouvrier dans le poème « Ouvrier ». Il faut cependant souligner que ces personnages représentent non pas des types sociaux étroitement déterminés, mais des symboles de l'homme universel. Une évolution a bien eu lieu. Il ne s'agit plus de personnages comme le maçon amoureux de printemps, un autre poème très, très connu, mais des ouvriers qui sont les porteurs d'une sorte d'universalisme. Alors, le point culminant, en quelque sorte, de cet rapprochement à la réalité sociale, c'est un poème intitulé « Les hommes sandwich », où l'homme est perçu comme un objet. Je vais vous lire un court extrait, Homme sandwich, 1934. Il marche dans cette ville maudite, sans but, transformé en objet, et eux-mêmes n'ont plus conscience de leur lugubre aspect. Humanité cesse de soupirer, cache tes larmes hypocrites. L'homme n'est pas notre frère, c'est un mur sur lequel on colle des affiches. Alors, certes, elle est plus surprenante, c'est plus surprenant une découverte d'une poésie d'inspiration sociale chez un poète qui est connu avant par son aliénation, son éloignement de la réalité sociale et historique. Et une autre découverte est la présence de véritables catharsis, comme je disais tout à l'heure, qui survient au moment où le poète trouve la solution de sa solitude en regardant l'autrui. Donc il est sauvé par l'homme avec grand majuscule. Et ce soudain désir de partage, à la fois surprenant et touchant, est parfaitement traduit dans un autre poème connu qui s'appelle 44 Avenue de Maine, où Dalchev, pour la première fois dans son œuvre, représente une émotion collective. Des femmes se montrent aux fenêtres et pleurent en écoutant la chanson d'un violoniste inconnu. C'est un très beau poème qui est traduit, malheureusement, c'est difficile de transmettre le rythme, parce que c'est un grand poète, merveilleux poète, et je crois que ça c'est le poème le plus raté, si je peux dire, ça c'est subjectif complètement, dans ce recueil dont Paris dont Nicolas vous montre la couverture. Et sinon, la traductrice Violetta Ivanova, qui a traduit avec beaucoup de d'émotion, avec beaucoup de talent, c'est les autres poèmes. Je crois que dans 44 Avenue de Maine, elle n'a pas réussi tout à fait. Je vais lire quand même un petit extrait en français. Il s'est tu. Il s'agit de violoniste, donc il est là, dans une sorte de cheminée, donc les femmes sont sorties de fenêtres, et donc en bas, un type désespéré, donc on suppose que c'est un étranger. Donc il joue en violon et toutes les femmes pleurent et jettent des sous au fond de ce puits. Alors, il s'est tu. À toutes les fenêtres se penchent des femmes en pleurs et sur les dalles de la cour pleuvent des mots et des sous. Qui que tu sois, homme sans gîte ou adolescent ayant perdu la vue, pourquoi es-tu venu ici nous rappeler notre destin cruel ? 44 Avenue de Maine, 1928. Alors, Paris est représenté comme une image magique dans les cycles poétiques, malgré ce côté défense de l'homme, engagement social, etc. Il s'agit incontestablement de la représentation la plus riche de Paris dans la tradition poétique bulgare d'entre-deux-guerres. Et de par l'intérêt accru de Dalchev pour la dimension sociale, une dichotomie majeure se définit clairement dans ce cycle poétique. C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler. La ville de la débauche qui détruit l'homme et la pureté de la neige qui symbolise l'âme humaine. Cette opposition essentielle qui structure les cycles parisiens est soulignée dans plusieurs textes dont le plus connu, le plus poétique est le poème qui s'appelle « La neige ». Ce sentiment est lié à la présence de deux personnages typiques de la ville maudite, le policier et la prostituée, qui apparaissent constamment. Paris est la ville des illusions perdues, ville de l'humiliation de l'homme, de la dégradation de la vie qui atteint son apogée dans la représentation de l'homme-objet déjà évoqué. Mais quand même, il y a une auréole, une nimbe romantique. Et
la ville qui détruit et la vie qui enivre, ça c'est là vraiment cette dichotomie, cette contradiction permanente dans l'ensemble des poésies. Alors, Paris est encore la cité des voyages, les gares, des sifflets, des trains, des bateaux-mouches. La ville lumière est un véritable personnage poétique des cycles parisiens, avec son atmosphère inoubliable, les promenades des amoureux, toujours des promenades parisiennes, n'est-ce pas? L'automne sur le quai de la Seine, les tourbillons des feuilles mortes et l'appel chaud et cuivré de la trompette qui annonce la fermeture du jardin de Luxembourg. Maintenant, ça n'existe pas, hein, donc on ne connaît pas ça. Pour la première fois dans la poésie de Daltchev, l'atmosphère de tristesse et de désespoir où règne la présence de la mort est atténuée par l'émergence d'une tristesse plus légère, plus transparente. Les 20 poèmes des deux cycles parisiens de la première édition sont imprégnés par la candeur d'émotions plus humaines. Alors, le destin, je ne vais pas vous lire tous les extraits que j'ai préparés pour respecter le temps, une partie. Alors, on a compris que l'ouverture vers l'homme, donc cette attention vers une présence collective, l'homme n'est pas l'ouvrier, le policier, le prostitué, donc il y a une âme collective. C'est l'âme de Paris qui intéresse le poète. Et donc, cette ouverture humaine, ce désir de partage, se traduisent avant tout par l'image de l'enfant, qui est très présent. Le petit garçon aux yeux bleus. La neige est pure seulement dans les jardins où jouent les enfants. Voilà l'exemple de neige, un des plus beaux poèmes de Daltchev, qui est mon préféré d'ailleurs. Sur ces raides toitures de fer et ces boulevards d'asphalte, ne descendra-t-elle pas au moins une fois du ciel la neige comme un ange, blanc et radieux? Je ne crois pas. Dans cette ville noire comme charbon, l'hiver sera probablement noir et inconnu les anges et la neige. Et si elle descend une fois, impitoyable, féroce, la piétineront sous leurs talons les flics et les prostituées et noircira ses plumes blanches, la fumée des gares et des cheminées. Il n'y aura de la neige blanche que dans les jardins où auront joué des enfants. Neige 1929. Alors, le deuxième recueil parisien, et je vais clôturer sur ça, s'appelle L'Ange de Chartres. Il écrit après le second voyage à Paris en 1937 et il est publié, le recueil publié en 1943. Là, il y a la relation avec un moment important dans sa vie personnelle où il y a une perte d'un être cher. Donc, il est dans un état émotionnel différent. Et un jour, en passant, en allant en Chartres, il lève la tête et il voit là un ange en pierre aux ailes déployées qui surplombe la cathédrale de Chartres. Et il transforme cet ange en pierre en symbole fécond. Et tout le recueil représente en fait une messe poétique au nom de la vie, un chant porté par l'espoir profond que le bonheur puisse exister sur la terre. Un changement profond de registre qu'on vous voyez bien. Alors, une petite citation de strophe de l'Ange de Chartres, publiée en 1937. « Je ne sais ni ton rang, ni ton nom dans la hiérarchie des anges, mais je sais que dans la nuit, tu m'as ouvert le chemin vers le monde. Et où je m'arrête, je te vois toujours ainsi, sur la toiture de l'église, descendant des hauteurs bleues, tenant une main qui bénit. » Alors, les cycles parisiens de Daltchev représente une totale perfection poétique, très difficile pour la traduction, encore une fois. Et ils sont représentatifs d'élan poétique et vraiment de la recherche expérimentale poétique de la poésie bulgare des années 20. Athanase Daltchev reste la figure emblématique de ce mouvement, un puissant souffle réaliste, une rigueur réflective, une interrogation métaphysique intériorisée, une acerbe souffrance devant l'imperfection de la nature humaine caractérise ce cycle parisien. Et donc le poète reste philosophe, érudit et raffiné. Et soudain, ces 20 poèmes, dans la première édition, transforment totalement l'atmosphère d'insoutenable tristesse de son univers solitaire, celui qu'on a connu dans la première période. La découverte du chemin vers les autres fonctionne comme le catharsis tant recherché. À la faveur des cycles parisiens, c'est presque une vita nova qui marque la poésie de Daltchev.
une extase quasi religieuse devant l'homme et sa force créatrice et sociale, nourrit désormais l'ensemble de sa poétique. Dans l'histoire de la poésie bulgare, Athanase Daltchev reste le poète de Paris, de la neige et des enfants. Merci. Merci beaucoup Svetla pour cette introspection dans l'univers poétique ô combien émouvant de Daltchev et sa représentation, sa perception de la ville de Paris que nous allons maintenant poursuivre à travers les écrits d'un autre écrivain, celui né à Istanbul. Mais juste avant de vous parler de cet écrivain, j'aimerais aussi profiter de cet intermède, si j'ose dire, pour vous parler d'un des objectifs majeurs de cette table ronde, un des objectifs auxquels on avait pensé quand on a voulu organiser cette rencontre, c'est montrer à quel point la Bulac, la bibliothèque de la Bulac, est aussi un lieu qui permet la découverte d'écrivains moins connus et aussi de leurs œuvres qui ne sont pas forcément traduites, qui ne sont pas toujours plus largement diffusées dans le public. Et je pense que c'est un moment privilégié et aussi un lieu tout à fait indiqué pour la découverte de cette littérature. Et nous sommes tous témoins de cette diversité, de cette, on va dire, richesse parfois inconnue que les collections de la Bulac nous réservent. Vous êtes donc tous, toutes et tous, les bienvenus pour continuer vos explorations dans les fonds de cette bibliothèque à la sortie de notre rencontre. Mais maintenant, destination, le Istanbul Yacht qui a séjourné à Paris des années folles. Le sujet que j'aimerais vous présenter aujourd'hui est pour moi une source de nostalgie à double titre. Car il me ramène à la fois à un espace qui n'existe plus dans sa forme d'antan et à un temps décidément résolu. Et je me revois assis à une table en bois dans la salle de lecture de l'ancienne Biulo, rue de Lille, en train de remplir un bulletin de papier pour demander à consulter des ouvrages de cet auteur qui s'appelait Thrasos Kastanakis. Je pense que ce sont des souvenirs et des plaisirs partagés autour de cette table et aussi parmi vous. Qui aurait cru donc que des années plus tard, j'allais de nouveau rencontrer cet auteur et que mon chemin allait croiser celui de la belle histoire de la Biulo devenue désormais la Bulac. Et pour cela, je remercie tous les collègues qui sont parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre soutien à la préparation et la réalisation de cet événement. Alors, Thrasos Kastanakis est né à Istanbul, Constantinople, en 1901, dans le quartier de Tatavla, peuplé majoritairement à cette époque par des Romni, c'est-à-dire des sujets ottomans, des confessions chrétiennes et en grande partie grecophones. Après avoir achevé au lycée franco-hellénique de la capitale ottomane son cursus d'enseignement secondaire, il quitte les rives du Bosphore pour venir s'installer ou ailleurs à Paris en 1919. Dans la ville des Lumières, il étudie à l'école des langues orientales, précurseur de l'INALCO, et en 1921, il est nommé chargé des cours en lettres byzantines et grecques modernes dans cet établissement. Il séjourne à Paris pendant les années 1920 et 30 avant de gagner Athènes sous l'occupation pour revenir à Paris juste après la libération et y passer le reste de sa vie jusqu'à son décès en 1967. Durant les années de la guerre civile en Grèce, il mène à côté de ses activités littéraires une action politique en faveur de la gauche. Et il fonde l'Union démocratique des Grecs de France, à travers laquelle il dénonce les persécutions contre les partisans et sympathisants de cette culture politique dans ces pays. Son œuvre est marquée à la fois par son attrait pour la ville de Paris, ses engagements idéologiques et l'impact des courants littéraires tels que l'exotisme, l'esthétisme ou le modernisme de l'entre-deux-guerres. Parmi ses romans ou nouvelles rédigées lors de son séjour parisien dans les années 1920, on pourrait citer le Au bal de l'Europe, Stochorotis Evropis, publié en 1929, Les princes, I Príncipes, et To Parisi, Tis Nictas que tu Erota, Le Paris de la nuit et de l'amour.
Tous ces ouvrages appartiennent aux collections du domaine grec de la Bulac. Et sauf erreur de ma part, notre bibliothèque est un des rares lieux, sinon l'unique, où l'on peut les consulter à Paris et même en France. En ce qui concerne plus particulièrement le recueil des nouvelles intitulé « Paris de la nuit et de l'amour », dont je me suis servi pour étudier la place du cosmopolitisme et de l'érotisme dans l'œuvre de Castanakis pendant les années folles, un des exemplaires de notre fonds est dédicacé par l'auteur lui-même à André Mirambel, figure emblématique lui aussi de l'enseignement du grec moderne à l'école des langues orientales. Par ailleurs, cet ouvrage est publié par la maison d'édition Aron, maison fondée par les frères, parents des frères de Castanakis, Lucas, qui avait aussi lancé la publication d'un journal du même nom, en grec, dans les Paris de cette époque. Mais c'est une autre histoire dont nous allons avoir l'occasion de parler en juin dans le cadre d'un séminaire sur la presse grecophone, comme presse allophone, et permettez-moi cette minute de publicité. Fermeture des parenthèses. Dans l'éventail narratif que Castanakis déploie dans son recueil Paris de la nuit et de l'amour, un baron suédois déambule dans les dancing halls et les cafés en cherchant à assouvir son désir d'alcool. Un cosaque échappe à l'ordre bolchevique pour venir travailler dans des conditions particulièrement périlleuses dans un cirque à Paris. Zenica, l'épouse d'un député grec, s'évade à Paris pour vivre un amour romantique. Un médecin établi, ayant mené une vie dure en tant qu'étudiant dans la ville des poèmes, plonge dans ses méandres existentialistes tout au long de sa déclaration d'amour à la gouvernante de ses enfants. L'auteur lui-même accompagne son ami Mazepis en visite dans les eaux de la vie nocturne parisienne. Et là, on retrouve ce que Cécile nous a aussi expliqué à travers de l'imbrication entre vie personnelle, vie de l'auteur et aussi projection de cette vie sur leur personnage, leur héros. Les histoires que nous raconte Castanakis se déroulent sur fond des misères post-guerre, avec les vagues d'êtres humains déferlant, comme il dit, de la bouche de Gargantua qui s'appelle Métropolitain, dans une effervescence créatrice et dans une ambiance marquée par la manie de vivre intensément et pleinement ses désirs. C'est en quoi 1928 se rapproche, me semble-t-il, d'une autre année, remarquable pour Paris et pour l'Europe en entier, le monde, je dirais, tout court, 1968. Et là, j'ai fait un autre clin d'œil à une exposition qui est en cours dans les vitrines au rez-de-jardin et que je vous invite à visiter. Et là aussi, grâce au fond mis en avant de nos collections à la Bulac. Au milieu des rythmes de vie électrique et hectique, des personnages fictifs côtoient des personnages réels qui animent ou agite le paysage culturel de la capitale française pendant les années folles, les années 20. Au fil des histoires, on croise Habib Benglia, le Don Giovanni africain, double masculin de Joséphine Baker, acteur né à Oran et qui joue un rôle majeur dans la vie cinématographique et théâtrale parisienne pendant l'entre-deux-guerres. À ses côtés, une autre vedette des années 1920, Tiki, la chanteuse, danseuse, gérante de cabaret, actrice de cinéma, surnommée la reine de Montparnasse. Celle qui posa pour des peintres tels que Modigliani ou Fokita, dans ses tableaux, en l'occurrence, qu'on peut voir aujourd'hui au musée d'art moderne, et qui créa le vénénant au salon d'automne de 1922. Fokita lui-même, par ailleurs, c'est lui qui participa à la grande effervescence de Montparnasse, qui anime le quartier de Montparnasse pendant les années 20, apparaît à plusieurs reprises dans les nouvelles de Castanakis. Le lieu où se déroule l'intrigue sont souvent les dancing halls ou les cafés de ces quartiers, du quartier de Montparnasse, à l'instar de la Rotonde ou de la Cigogne, à côté de la Coupole, que bien évidemment on retrouve dans ces nouvelles aussi. Mais quel est l'imaginaire de la ville de Paris dans cette œuvre de Castanakis? Le séjour à Paris est perçu par certains personnages, par certains de ces personnages, comme Madame Damianou, une bourgeoise grecque relativement âgée, comme le rêve d'une appartenance à une élite transnationale. Cette ville exerce sur elle un attrait durable, de sorte qu'elle continue à y vivre virtuellement longtemps après son séjour, menant une existence partagée en deux dimensions parallèles,
sa vie à Athènes et sa vie du présent à Athènes et sa vie du passé à Paris. Jenica, la fille, sa fille, attendait parler sans cesse à la maison des choses merveilleuses de cette ville de Paris ou des travaux de réparation du palais de Versailles. Madame Damianou, les journaux féminins à la main, n'en pouvait plus d'impatience car elle voulait savoir qui était le supérant de sa fille. Et cependant, elle commentait avec le docteur Benedatus, un autre protagoniste de ces nouvelles, la dernière première parisienne ayant conquis les Parisiens. Par ailleurs, les séjours dans Paris servaient des stratégies de distinction sociale, offrant l'occasion à des membres d'une bourgeoisie à la périphérie de l'Europe de légitimer leur position auprès de leur propre société suite à leur fréquentation des lieux associés à des élites consacrées. Ainsi, Coula, l'héritière d'une famille athénienne aisée, s'est vantée d'avoir commandé sa robe chez Jenny. Il s'agit de Jeanne Bernard, plus connue à l'époque sous le pseudonyme de Jenny Sacerdote, ayant établi une maison de haute couture fameuse, célèbre à Paris des années 1920 et au-delà. C'est elle, je cite, qui coule les robes de la reine de Roumanie, d'après ce qu'on dit, affirmait-elle, lors d'une de ses réceptions mondaines chez elle. Et à l'opposé d'une telle sublimation et idéalisation de la ville de Paris, la fille de Madame Damianou est, elle, attachée à sa ville natale, la ville d'Athènes, et ne se met guère des nouvelles sur la vie parisienne commentée dans la presse française. Dans un tel état d'esprit, Panos, le mari de Coula, essaye d'échapper au snobisme de son épouse alors qu'il ne voulait pas que les gens sachent qu'il avait vécu dans la misère ses années d'étudiant avant de profiter d'une ascension sociale grâce à la dot de son épouse. Il préfère ainsi ne pas la suivre au théâtre et reste chez lui dans son appartement français où il pense à Athènes, plus exactement à un été passé sur l'île de Spetses et à sa conversation avec des jeunes femmes avec lesquelles il parle de Fujita, de Picasso, de Chagall, de l'esprit de Paris. Faisant écho à la position d'un certain balkanisme tel que défini par un journaliste yougoslave de l'époque, Bogdan Radica, dans sa revue Les Balkans, éditée dans les années 1920, ça représente une réaction d'une partie des intellectuels de l'Europe du Sud-Est à une représentation caricaturale, une provincialisation de leur culture par des élites locales ayant intériorisé un syndrome d'infériorité. Panos ne s'empêche pour autant de parler, lui aussi, de ses expériences dans la capitale de la République internationale des arts et cultures, dénomination, appellation réservée et attribuée à Paris de cette période. Les artistes qu'il évoque participent par ailleurs, eux aussi, d'un cosmopolitisme artistique. Cependant, les personnages de Kastanakis évoluent dans une ambiance cosmopolite, à mon avis, à deux vitesses, à deux facettes. D'un côté, il y a le cosmopolitisme des élites intellectuelles, héréditaires, professionnelles. D'un autre côté, c'est lui des élites déclassées ou des individus arrivant à Paris avec la détresse de l'exilé, du réfugié, suite aux événements politiques et militaires tragiques qui avaient bouleversé les sociétés européennes au tournant du XXe siècle. Pensons à la Première Guerre mondiale, les déplacements arbitraires des populations dans les sillages des remodelages des frontières suite aux divers traités de paix, la Révolution d'octobre ou la guerre civile en Russie. Georgi Gerashimovitz est l'illustration éloquente de cette deuxième catégorie. Réfugié, à Paris, il avait échappé aux bolcheviques et il habitait la chambre numéro 7, rue Lepic, dans un hôtel, où il se souvient d'un de ses voisins, juifs, qui jouait de la mandoline et il se suicida. Plus tard, quand les loyers augmentant, il cohabita avec un cantador espagnol, ses nouveaux voisins étant trois dentistes arméniens de la ville d'Eskişehir, en Anatolie. C'est toute la géographie des trajectoires traumatisantes d'individus victimes des tragédies humaines lors des conflits et des massacres perpétrés lors de la Première Guerre mondiale qui défilent en filigrane sur les canevas narratifs de Kastanakis. Quant à l'auteur, il croise souvent son ami Mazepis dans le quartier de Montparnasse. Le repère de son farniette, c'est la rotonde. Je cite. Nous sommes entourés par les virtuoses de l'indifférence, lui explique-t-il. Ils n'ont envie ni de m'entendre parler, ni de m'adresser la parole. Je donnerai tout ce que j'ai en échange de leur compagnie. Et il caressa du regard les deux doigts dégantés d'une tchécoslovaque assise en face de lui.
Un peu plus loin, son regard se fixa sur un Hollandais. Je n'avais pas échangé les moindres sentiments avec lui, les moindres regards, le moindre sourire. Mais je lui serai, je lui resterai inoubliable. Notre froideur mutuelle a fait de nous des parents étroites, lui dit-il. Et il ajoute, ici, tu te sens appartenir à la grande famille de l'indifférence. Cette expression sociale acquiert dans les quartiers de Montparnasse le caractère impitoyable du cosmopolitisme. L'indifférence des gens venant de partout dans le monde, ayant commis des crimes, ayant connu l'humiliation, la gloire, ayant fait des dépenses de tous genres et qui se réunissent maintenant, vivant en crème, au dôme ou la rotonde. Tu as tes propres chagrins et eux, ils te regardent avec leurs yeux bleus imperturbables. Peut-être qu'ils finiront par te sourire si tu fixes ton regard sur eux. Des regards par centaines d'une étrangeté impénétrable. Et cela t'incite à penser à tous les drames qui ont laissé leur empreinte sur les visages durs qui t'entourent. Fin des citations. Outre cette image d'une ville cosmopolite à géométrie, expression variée et variable, Paris se profile aussi comme la capitale de l'excentricité. Un lieu où la rêverie de l'individu s'enrichit. Elle gagne du terrain, là où dans d'autres cités, l'emprise du quotidien la paralyse. Les fantaisistes et ingénieux bon viveurs, animal d'un grand luxe psychique, nous dit dans sa zoologie parisienne Castanakis, ne se réjouit nulle part ailleurs dans les mondes autant que dans les mystères parisiens. Le farniette ne lui offre nulle part ailleurs l'illusion charmante, de l'action intense et de la grande productivité. Les hachis, la cocaïne, l'éther et tous les cortèges de paradis artificiels paraissent inutiles et ridicules. Un crème sur la terrasse d'un café parisien suffit comme stimulant pour les voyages d'où jailliront les désirs les plus profonds. Les vedettes de tes réflexions secrètes, écrit Castanakis dans cette nouvelle intitulée Zoologie parisienne. En même temps, Paris apparaît comme une destination fantasmée pour l'épanouissement de la sexualité des héros provenant de l'Europe balkanique. Les jours où Zenica s'est sentie trompée suite au scandale mondain qui impliqua son mari, Athènes lui parut désormais trop petite. Elle avait soif d'Europe. Elle, qui ne lisait jamais, elle s'est mise à lire des romans français que les spécialistes lui présentaient comme des images fidèles de la société française. Et quand son mari a été envoyé en mission à Paris, elle a suivi et elle a pu y vivre une expérience amoureuse forte avec un jeune étudiant. Panos, le médecin établi, grâce à la fortune de son épouse, il s'est plaint car il est victime d'un mariage arrangé. Un soir, il la contemple endormie à ses côtés sur les lits parisiens. Combien d'années avait-il passé à ses côtés? Et pourtant, il n'avait pas les souvenirs de s'être jamais rapproché de son corps dans son sommeil. Même pas une seule fois. Rien de comparable à ce qu'il avait vécu des ans auparavant à Paris, dans le lit d'une femme rencontrée dans un bar. Ses rapports brûlants sous la fourrure qui les couvrait. Son seul souvenir érotique. Fin des citations. Malgré le maintien des nombreux tabous et interdits des périodes précédentes, les jeunes générations de l'entre-deux-guerres accordent une place fondamentale à leur sexualité. Pourtant, ni Paris, ni l'époque contemporaine n'ont le monopole de cette tendance dans l'imagination des personnages peuplant les nouvelles de Castanakis. La comédienne avec laquelle notre ami Cosaque s'était lié lui raconte qu'un jour, quelqu'un lui avait prêté un livre rare, fascinant, écrit par un forcené persan dans sa prison il y a 3 siècles. Voilà, je cite, une véritable œuvre pornographique, pas comme celle d'aujourd'hui. Il y raconte des histoires incroyables qui font frémir des voluptés. Je suis heureuse. J'ai trouvé là-dedans des choses que je ne pourrais jamais vivre ailleurs. Fin des citations. Les personnages donc de cet ouvrage évoluent dans une ambiance de cosmopolitisme et d'érotisme. Le caractère et comportement reflètent à la fois les agissements et frémissements de toute une société et sont aussi révélateurs de la manière dont l'auteur perçoit cette société. Vu sous cet angle, cette œuvre littéraire se rapproche d'un essai de psychographie individuelle et collective en même temps, l'écrivain assumant la fonction du sociologue qui aide l'historien de l'intime à reconstituer les cadres émotionnels du passé d'une certaine société. Saisir la place fantasmée d'un espace, un lieu, ici la ville de Paris, et ces lieux de plaisir ou de sociabilité ont pu exercer sur les contemporains, venant d'ailleurs, en l'occurrence, de l'Europe balkanique.
Et là-dessus, je voulais conclure vous remerciant pour votre patience, votre attention et surtout remerciant tous mes collègues qui m'ont aidé à la réalisation de cette rencontre, notamment ceux de l'équipe Euro-Balkanique Centrale Orientale qui sont là parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup Irena et d'autres services. Merci beaucoup Tamara. Merci encore une fois pour votre présence. Et maintenant, je pense qu'on peut prendre quelques temps pour échanger autour de ces histoires passionnantes et de ces voyages ultérieurs que nous avons eu l'occasion de découvrir. Merci à toi. Des questions? Oui. Alors, merci beaucoup, Irena. Une partie de son œuvre est rédigée directement en français. Et c'est la partie de son œuvre qui est plus facilement consultable dans des bibliothèques, différentes bibliothèques. Tandis que ses œuvres rédigées en grec, telles que les deux romans, les deux récits, plutôt des nouvelles que je vous ai présentées, dont je vous ai présenté les couvertures, n'ont pas été traduites et sont vraiment très difficiles à trouver. À ma connaissance, comme je vous le disais, à Paris, de toute façon, pour avoir fait les tours de bibliothèques et quand j'ai travaillé sur lui, ne sont disponibles qu'à la BULAC. Ça, c'est... Et il est connu en Grèce? Alors, il est connu en Grèce grâce à la réédition récente d'un ouvrage dans lequel il relate la vie d'Istanbul du début du XXe siècle. Ce n'est pas par ses œuvres parisiennes ou par ses œuvres qui parlent, qui relatent, retracent la vie de Paris de l'entre-deux-guerres. Je pense que cette partie de son œuvre est très largement inconnue et en France et en Grèce. Et ailleurs. Ça, c'est, et on voit aussi l'influence de la télévision, ou plutôt la rencontre entre la littérature et la télévision, puisque si ces romans dont je vous parle a été réédité récemment, c'est parce qu'il y a eu aussi une série, je dirais plutôt télévisée, ces dernières années en Grèce, ce qui a suscité l'intérêt pour une réédition, j'imagine, et vice-versa. Ça, c'est. J'aurais voulu vous poser une question à propos de la présence des anglo-saxons. Pour un Français, on a l'impression que les années folles, c'est avant tout la venue des Britanniques et des Américains qui cherchaient à fuir la prohibition et qui voulaient vivre quelque chose de moins puritain qu'aux États-Unis. Et donc, je voudrais savoir si dans les poèmes ou les nouvelles ou les romans, on sent cette présence américaine. On pense à Hemingway et à quelques autres. Alors, jusqu'en 1929, puisqu'évidemment, après, avec la crise, malheureusement, les choses vont très, très mal tourner. Mais j'aimerais savoir si donc Paris est vu comme, bien sûr, la capitale de la France, mais d'une certaine manière aussi comme une ville anglo-saxonne. Je vous remercie. Qui vous répond? Moi, dans ce que j'ai lu, non. Oui, moi, je ne sais pas si je peux tenter une réponse. Donc, les Américains, comme une présence identifiée, identifiable, non. Mais ils font partie, les Américains, ceux qui se saoulent le plus, d'ailleurs, dans ces lieux, c'est les artistes comme les autres. Donc, c'est très cosmopolite et... surtout, il y a un cosmopolitisme de l'érotisme aussi, dont tu parles un petit peu, là où pas les Britanniques, les Américains sont présents. Voilà, c'est ça ce que je peux vous dire. Sinon, c'est pas dans tout ce que je connais et dans Paris, capitale culturelle de l'Est ou de l'Europe centrale orientale, je connais pas vraiment de figures fortes qui sont identifiées comme britanniques ou anglo-saxons. Je sais pas, c'est ce que tu penses, Cécile ? Ce que vous pensez ?
Bon, non, je dis que bon, je suis pas spécialiste du tout de la question, mais dans les voilà, chez les deux écrivains que j'ai du coup chez qui je suis allée voir un petit peu, j'ai pas vu de présence anglo-américaine particulièrement identifiée. Justement, ce qui m'a frappé, c'est peut-être ce changement de point de vue, parce que dans notre monde occidentalo-centré, voilà, le Paris des années folles, on pense beaucoup à ça, et justement, c'est intéressant de voir que lorsque c'est les Balkaniques qui viennent, ils voient quelque chose de beaucoup plus peut-être varié. Il n'y a pas cette focalisation anglo-américaine dont on a l'image peut-être maintenant, comme tu le disais. Eux, ils voient les Arméniens, ils voient les Russes, ils voient tout le monde. C'est quelque chose d'extrêmement mêlé. C'est ce qui m'a frappé aussi. Mais je ne suis pas sûre que ce soit très représentatif. Hein, c'est qu'un petit échantillon, nos personnages. Pour le Marco Ristich, l'écrivain serbe, à cette période, à cette époque, la modèle française était la première, et la modèle britannique est en deuxième place. Et l'Amérique, ce n'est pas comme modèle intéressant pour cette période. Et parce que l'influence politique et l'influence culturelle française est le plus influence en Serbie à cette période. Il y a les Allemands qui sont très présents, par contre, plus que les Britanniques. Et puis je crois que la présence anglo-saxonne surtout est palpable dans le domaine de donc chez les artistes peintres, parce que les Américains, c'est le premier à faire ouvrir les boutiques, à venir acheter les œuvres. Ça, c'est un autre circuit, si vous voulez. Là, vous pouvez voir, donc, vous avez parlé de Jules Pasquin tout à l'heure. Donc, quand on travaille sur les grands artistes venus des pays balkaniques dans les années 20 et 30 à Paris, donc leur relation avec l'Amérique est très, très intéressante. Il y a l'exemple d'un autre grand auteur bulgare, d'origine bulgare, qui est français-américain, donc il est Georges Papazov, par exemple, qui travaille avec les Américains, qui part en Amérique faire des expositions. Les Américains viennent chercher les artistes de cette période ici en organisant les expositions. C'est plutôt dans ce sens-là que je les vois comme ça émerger dans cette période. Moi, j'aurais aimé ajouter qu'on les voit, les Américains, à travers aussi des critiques exprimé par à travers les protagonistes de ces nouvelles par l'auteur lui-même, je pense, en ayant lu aussi ses mémoires sur les modes de vie américains, sur une certaine américanisation de la vie française et parisienne de l'époque. Donc on assiste à l'expression d'un premier anti-américanisme qui est synonyme d'opposition de certains intellectuels, artistes, écrivains ou autres représentants de la littérature et des arts à une massification de la culture, une culture des masses qu'ils identifient de plus en plus à un monde de vie américain. J'ai retrouvé quelques extraits où cette américanisation de la vie parisienne était montrée des doigts. Et puis aussi, il y a, je pense, une référence indirecte à travers la présence dominante ou l'introduction dans les mœurs culturelles des danses comme les Charleston le jazz, bien sûr, la musique jazz. Et donc, on les voit, on voit la présence, l'écho de la présence américaine à travers les références à ces modes genre culturels. Voilà, c'est Jean-Paul, c'était. Merci beaucoup. Oui, mais non, c'est moi qui ai parlé très vite aussi, qui suis allée très vite. C'est qui, tu l'as ? Ce roman-là, oui, il y a eu
J'ai évoqué deux choses, en fait. J'ai évoqué le retentissement de la publication du journal de Mireille Sébastien, mais là, c'est une affaire récente, parce que le journal est resté posthume jusqu'en 1995, donc je ne pense pas que c'est à ça que vous ayez fait allusion. J'ai aussi évoqué, en parlant très vite, voilà, le scandale lié à ce roman, qui n'a rien à voir avec Paris, qui est lié au fait, essentiellement, de la préface du roman. Mireille Sébastien, donc, était un juif roumain. Le roman, comme le titre l'indique assez explicitement, en fait, depuis 2000 ans, fait référence à la judéité de l'auteur, qui est en fait le narrateur, c'est pas le même nom, mais c'est très clairement un roman, la première personne, qui a un contenu très très fortement autobiographique et qui parle de la manière et de la difficulté de trouver sa place pour un étudiant juif roumain, enfin, parce qu'il est étudiant au début dans une Roumanie fortement teintée d'antisémitisme. Bon, après il y a ce passage à Paris. Le scandale vient du fait que le roman a été préfacé par ce fameux professeur de philosophie, Nae Ionescu de Bucarest, dont Sébastien avait été le disciple, je veux dire, intellectuel, à qui il avait demandé la préface, une préface au moment où le roman était en projet. Entre-temps, Ionescu a basculé définitivement du côté de l'extrême droite fasciste et antisémite, et il a fait une préface à ce roman écrit par un auteur juif, une préface d'un antisémitisme virulent. Et Sébastien a publié quand même la préface avec le roman, et ça a déclenché un scandale monstre, c'est-à-dire qu'il a été critiqué évidemment de tous les côtés. Il a dû s'expliquer longuement sur les raisons pour lesquelles il avait quand même publié la préface. Et voilà, c'est une affaire assez compliquée, une affaire aussi individuelle. Donc c'est une affaire non parisienne. Mais je vous recommande et le roman et le journal. Tout est traduit en français et très bien traduit. Du coup, je sais pas, je ne veux pas couper la parole à quelqu'un qui pose une question, mais c'était un petit ajout à propos de la manière de pas de voir Paris des Balkaniques, mais une remarque justement de ce Mireille Sébastien qui m'a amusée sur la manière dont on voit justement le monde depuis Paris. C'est pas à l'honneur de... C'est encore une critique pour... l'universalisme français, mais un de ses articles, donc envoyé à Bucarest pendant qu'il est à Paris, s'intitule « Le français, un type non européen ». Et c'est un petit article sur la cécité totale des Français à l'égard de l'Europe. Sébastien, en gros, dit « De Paris, on ne voit rien ». On ne voit rien de l'Europe, on ne comprend rien à l'Europe. Nous avons vécu, dit-il, dans la légende d'un Paris centre du monde. Et donc on s'attendrait à ce que depuis Paris, on voit tout, justement, puisque c'est le centre du monde et le sommet, une espèce de pyramide. Eh bien, c'est exactement le contraire. Ce qu'il constate, c'est que le français est totalement aveugle à la vérité. Vu du cœur de Paris, l'Europe est peut-être une notion, mais certainement pas une réalité. D'ici, on ne voit rien, on ne voit pas le continent. Il est une formule, jamais un esprit. Tout ce qui se passe sur le continent parvient à Paris au titre de simple information. On dirait que les Français inscrivent à la rubrique des curiosités les événements qui surviennent à l'étranger. Alors il dit, ça m'est pénible de dire ça sur les Français, que j'admire à tout point de vue, mais je suis obligée de me rendre à l'évidence. Les Français ne comprennent rien aux réalités qui dépassent leurs frontières. Il s'agit, à l'évidence, dit-il, d'une attitude organique, parce que d'habitude, le Français est ouvert, chercheur, rationnel, curieux, tout ce que vous voulez. Il dit même, étant donné qu'il s'agit d'un type cartésien, je ne crains pas de dire qu'il est borné, ce qui d'ailleurs en langage cartésien peut être un parfait éloge, mais en matière de connaissance du monde qui l'entoure, ce sont quand même des bornes. Il connaît ses limites, il se les impose, mais de ce point de vue, il est, et c'est amusant de lire ça sous la plume d'un balkanique, dans le sens le plus général du mot, un provincial. Et voilà l'accusation de provincialisme qui est retournée aux Parisiens par un balkanique. Ça m'a beaucoup amusée. L'Europe des Français est une Europe passée à travers le prisme de leur esprit local. Le Français ne comprend rien à l'esprit d'outre-Rhin, c'est-à-dire même ses plus proches voisins. Et il dit plus loin, il ne comprend rien de plus sur l'Espagne, l'Italie, la Russie ou la Roumanie. Pour une raison simple, le Français juge toujours par rapport à ses critères universalistes, abstraits. Ça m'a amusé. C'était un petit ajout sur Paris, centre-périphérie, centre du monde et point d'observation. Et voilà. Sur cette citation qui nous, comme a dit, amènera à réfléchir sur une éventuelle suite, poursuite de nos discussions autour des représentations de la ville de Paris auprès des écrivains de l'Euro-Balkanique et vice-versa, j'aimerais à la fois
et avant tout remercier les participants de cette table ronde. Merci beaucoup pour vos présentations et votre aussi acceptation de cette invitation. Un énorme merci aussi à toutes celles et tous ceux qui nous ont aidés à la réalisation de cet événement. À vous toutes et tous qui nous avez accompagnés lors de cette rencontre. Merci beaucoup. Et maintenant, espérons que cette table ronde n'était qu'une première édition du Canton des Balkans qu'on aimerait pouvoir revoir, reconduite les années à venir. Merci beaucoup. Et la suite au Salon du Livre des Balkans avec des nouvelles table ronde très intéressante autour de sujets que nous avons abordés ou d'autres que nous allons avoir l'occasion de découvrir grâce à cette manifestation à laquelle la BULAC s'est associée cette année. Au très grand plaisir de nous toutes et tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, oui c'est vrai, et à Caroline pour la très belle affiche qui a encadré, illustré cet événement. Merci beaucoup.